Daniel chapter 4. Daniel chapitre 4. Nebuchadnezzar king, the king unto all people, nations and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied unto you. I thought it good show the signs and wonders that the Most High God had wrought toward me. How great are his signs, and how mighty are his wonders. His kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion is from generation to generation. Look at verse 34. Allons verset 34. The man continues there and says, and at the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted up my eyes unto heaven, and my understanding returned unto me, and I blessed the Most High, and I praised and honored him that liveth forever, whose dominion is an everlasting dominion, and his kingdom is from generation to generation. And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing before him, and he doeth according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand nor say unto him, what doest thou? We are talking about this God. Nous parlons de ce Dieu. When I look at the theme of this gathering, lorsque je regardais au thème de ce rassemblement and the corresponding text, Bible text, et le verset qui correspond à cela and the book from which the text was taken, et le livre à partir duquel ce texte a été tiré, that's the book of Daniel. Ça c'est le livre de Daniel. I said, God is great. J'ai dit Dieu est grand. Let me start it this way. Que je commence ainsi. Si tu es un fabricant et que tu veux faire la publicité de tes biens et tu amènes ce produit au marché, alors tu sais, en tant que fabricant, toute personne qui va entendre faire la publicité de ce bien et disant combien de fois est-ce que c'est bien, essayant de convaincre les clients pour y acheter, ils diront, oh, pas de problème, c'est comme ça que ça devrait être. Mais quand tu es de l'autre côté, tes compétiteurs, ils viennent, ils deviennent ceux-là qui font la publicité de combien de fois ton produit est bien, convaincant les gens que ce bien, produit est bon, tes compétiteurs. Et si je vais aller plus avant les ennemis, venant dire que ce produit est bien, je pense que personne n'aura un doute après qu'on ait fait cette publicité par rapport à ce bien. Je parle de quoi? L'homme qui a dit cette parole, si tu étudies au sujet de cet homme, j'ai pris un temps il y a de cela quelques années pour étudier trois hommes ou alors quatre. Le premier homme dont j'ai étudié, c'était Nebuchadnezzar. Le deuxième homme, c'était Pharaon. Le troisième, c'était Hérode. Et le quatrième, c'était Hitler. On va essayer de mettre la vie de ces hommes ensemble. Il y a une chose qui est commune à ces personnes. Ils ont été célébrés comme des meurtriers. Very great idolaters. Des grands idolâtres. They had no regard for God nor man.
Il n'y avait même pas de pensée par rapport à l'homme ou de Dieu. Ils étaient remplis de leur personne, de leur personnalité. Ils souffraient d'une colère. Si tu voulais implorer leur faveur, dis seulement qu'ils sont braves, sans limite ni frontière. Ils reconnaissaient des cycles offensifs plus qu'autre chose. Ils ne donnaient aucune valeur à notre Dieu. Ils se considéraient comme des dieux. Il y a une chose que la Bible dit sur Nébuchadnezzar et le Pharaon. Ils étaient tellement obsédés par la puissance. Toute personne qui voulait vraiment garder la vie, ils le gardaient. Toute personne qui voulait tuer, ils le tuaient. Et personne ne pouvait oser les poser des questions. Alors pourquoi j'apporte cette histoire? Si Nébuchadnezzar ne pouvait se tenir, pas dans sa chambre secrète, pas devant son staff, pas devant son cabinet, pas devant quelques peuples babyloniens officiels, mais devant toute la nation babylonienne. Si tu lis ça, commence à partir de Daniel chapitre 3. Il a eu une convocation nationale. Là où il voulait dédicacer une image. Et si tu lis la description de cette image qu'il a présentée, elle avait plus de 19 mètres d'hauteur, 40 mètres de largeur, très magnanime, très majestueux. Il a produit une image magnifique. Et il a appelé tout le peuple. Si tu lis cela dans Daniel chapitre 3, on dit les gouverneurs étaient là, les administrateurs étaient là, les juges y étaient, les sages y étaient, les hommes d'affaires y étaient, les hommes de l'académie étaient, tout le monde y était. Vous voyez la ruse de l'ennemi? Lorsqu'il les invitait, il a dit non, tout va bien. Juste dédicacer ce que je voudrais bâtir, il n'y a rien. Jusqu'à ce qu'ils arrivent, mères et sœurs dans le Seigneur, avant de continuer, que je mentionne quelque chose. Ne prends pas le diable pour acquis. Il est tellement rusé, il est tellement rusé, afin que ça prenne un discernement spirituel. Lorsque là où tu vas te trouver, alors que tu parles et tu es en relation avec l'ennemi, tu ne vas jamais discuter avec ça dans la vie. Il a dit, venez juste pour une dédicace. Il n'y a rien dans le fait qu'on m'a dédicacé. C'est juste comme on a ce monument ici. Ne vous inquiétez pas à ce sujet. Après la dédicace, vous pouvez rentrer adorer votre Dieu. Mais à rentrer et lisez cette place, à cause du temps, il y a des choses qu'on va parler en profondeur. La Bible dit, immédiatement que toutes les nations sont rassemblées, les Hérats ont fait une annonce sérieuse. Le langage a changé. L'histoire a changé. À partir du fait qu'on va dédicacer à l'adoration. Il a dit tout le monde va attendre le son de la trompette, des harpes, de luth, des filets et tout genre de musique. Toute personne dans cet état doit se prosterner et adorer. Mais qu'est-ce qu'ils étaient invités à faire? Juste pour la dédicace. Juste pour la dédicace. C'est après cet incident
que trois hommes hébreux ont dit, on n'a pas été éduqués de cette façon. Nous connaissons le Dieu que nous servons. Nous connaissons sa puissance. Nous connaissons sa majesté. Nous connaissons son autorité. Il ne peut pas adorer sa, il ne peut pas partager sa gloire, adorer quelqu'un. Quel que soit ce que toute la foule fait, nous, on ne va pas se prosterner devant ceci. Et en résumé, vous connaissez l'histoire. Je vous montre un peu les proclamations dont on a déclaré. Ce n'était pas la déclaration venant d'un homme simple. Lorsque ces hommes ont refusé de se prosterner devant l'image que Nebuchadnezzar avait bâtie, puisque c'était un meurtrier habituel qu'on célébrait, ils connaissaient les conséquences, la destruction de leur vie. Et on a alors ravivé, on a allumé le feu dans la fournaise ardente cette fois, plus qu'il ne le faisait avant. Et il a donné une option. Je vous aime. Je ne voudrais pas vous détruire. Mais je vais vous donner une deuxième chance. Pensez bien. Raisonnez bien. Consultez-vous les uns les autres. Je vous pose une question. Êtes-vous prêt à vous prosterner? Comme tout le monde l'a fait. Que je puisse aller un peu plus loin. L'une des plus grandes maladies qu'on souffre dans le christianisme, c'est l'homme wagon, l'esprit. Quel est cet esprit? Puisque tout le monde le fait, que je me rejoigne aussi à eux, que ce soit pas une personne seule. Si tu veux te joindre à cette course, correctement, manière saine, suivant ses préceptes, peuple de Dieu, tu dois faire attention à la multitude. Tu dois faire attention à la foule. Tu dois faire attention à ce que j'appelle un spectateur spirituel. Si tu es au stade pour voir le match, il y a seulement 22 joueurs dans le stade. Comme les Européens font. Tu as plus de 44 à 45 000 spectateurs regardants. Mais vous connaissez une chose, les spectateurs. Si tu marques le but, ils vont marquer avec la main. Ok, si tu marques avec la main, le spectateur va crier et applaudir pour toi. Avant que je n'entre dans ce que je dois parler, je ne sais pas qui tu écoutes. En adorant la majesté. Et en suivant sa domination, si tu suis le spectateur partout, quoi que ce soit fait dans le christianisme, ils vont applaudir pour toi. Ils vont t'honorer. Ils vont te louer. Ils vont dire, sœur, continue. Mais pour chaque bon joueur, bon footballeur, si tu dribbles tout le monde et marques le but, la première place là où tu dois tourner tes regards, tu regardes à l'arbitre. Qu'est-ce que l'arbitre a dit au sujet de mon but? Tout le monde peut crier. On dit oh! Mais l'arbitre ne va même pas parler. Il va tourner son regard là-bas. Et il va pointer là où on doit mettre le ballon. Que ça, c'est un effort perdu. Que votre course ne soit pas un effort perdu. Que l'empereur de notre salut ne nous rejette pas à la fin. Ces trois jeunes ont refusé d'être intimidés par la foule. Ils connaissaient ce dont la domination est concernée. Et la réponse que l'un des jeunes hommes a donnée à Nebuchadnezzar était tellement défiante pour moi.
Chaque fois que j'arrive à ce lieu, je suis vraiment défié. Lorsque Nebuchadnezzar dit, va prendre les conseils, est-ce que vous avez entendu? Il a dit, oh roi Nebuchadnezzar, on n'a pas besoin de se concerter par rapport à ce problème. Nous voulons t'amener à comprendre une chose. Tu nous as menacé en disant, quel Dieu peut nous délivrer de ta main? Nebuchadnezzar, point de correction. Notre Dieu que nous servons, il est capable de nous délivrer de tes mains et de cette fournaise ardente. Donc ne pas passer avoir reçu cette idée, Nebuchadnezzar. Ça, c'est la proclamation de ceux qui connaissent sa domination, ceux qui peuvent connaître sa souveraineté, ceux qui peuvent comprendre sa majesté. Il n'est pas étonnant que c'est le même Daniel qui a dit que ceux qui du peuple qui connaîtront le Dieu seront forts et ils feront des exploits. La course chrétienne n'est pas pour les faibles.